Et récemment, Karine Le Marchand a décidé de montrer les différentes étapes de la rénovation du domaine des belles âmes. Et elle, un de ses amis, était plutôt critique. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de Ton Meg vous dira tout sur le sujet. Prêt ? Quand Karine Le Marchand n'est pas occupée à présenter des émissions sur M6, elle est dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Croisillon ADPC est authentique. C'est et beau. Les gens sont mis en valeur tels qu'ils sont. C'est et beau. Et J, aime beaucoup Karine Le Marchand, n'a croisillon 20 ans d'amour. Siobhan August 8, 2022, il faut dire que récemment, Karine Le Marchand a acquis un domaine. Elle a décidé de rénover. Une rénovation pas comme les autres, puisqu'elle se fera de manière éco-responsable. Son projet est clair, rendre le lieu le plus autonome possible. Mais aussi le moins énergivore et le moins consommateur des eaux. Une jolie demeure, confortable, fonctionnelle, élégant et chaleureux, une maison éco-chic. Et ce long chantier, elle le retient pour le faire découvrir à ses proches. C'est, et pour cette raison notamment, qu'elle a décidé d'inviter plusieurs amis à venir jeter un droit d'auteur il à elle, avancement du projet. Trouve son acolyte de France, un talent incroyable, Eric Antoine. Mais aussi deux anciens candidats de elle, Amour et dans le Pré, Mathieu et Aurélia. Publication partagée par Karine Le Marchand et autant dire que les amis de Karine Le Marchand ne sont pas encore convaincus. Faut dire qu'ils ne s'attendaient sûrement pas à découvrir une maison avec beaucoup de travaux. Mathieu a dit, au chantier, comment puis-je dire, c'est, et mieux pour toi que pour moi, je viendrai faire la cuisine quand tout sera fini, pas avant. Même constat pour Eric Anthony. Faire des blagues, le magicien N, a pas hésité à envoyer un message à M6. Le magicien, Eric Antoine, ironise à son tour sur la situation. TikTok cette fois, quelle belle journée dans le sud. Je trouve mes amis et la nouvelle maison de Karine Le Marchand. Et là que nous pensons toujours que MC devrait sûrement elle, augmenter. Suffit cependant pas d'abattre Karine Le Marchand. M6 lance la 17e saison des Croisillons ADP présentée par Karine Le Marchand chaque lundi à partir du 22 août à 21h10. pic.twitter.com/zx3mbx1b Nicolas MLB August 2, 2022 En effet, Karine Le Marchand est directement défendue, mais est en devenir. Mais celle qui est révélée en France un incroyable talent, ne est pas arrêtée là. Antoine, bien décide à faire rire son public, en remet une couche. Cette fois, il va encore plus loin que la première fois. Tiens, sang, et beau à la maison, Karine Le Marchand, c'est, et sympa. Donc, en termes d'isolation, c'est, et vraiment foutu. C'est, être beau. Il faut savoir Karine Le Marchand c'est, et la vie de elle, animateur préfère des franquets. Allez, courage Karine. Comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Non?